Des yeux qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa blouse. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'apporte rien. Hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce petit vlog. J'espère que pour le moment ça vous plaît. Du coup là on est vendredi soir et j'ai rendez-vous avec mes copines au restaurant. Du coup je ferai un petit outfit un peu classe. J'essaie de mettre une cravate, c'est la première fois que je mets une cravate. Et j'aime beaucoup, genre je trouve ça assez original et assez classe et tout. Bref, j'ai super hâte de revoir mes copines parce que ça fait longtemps, on s'est pas retrouvées toutes les trois. Et voilà, du coup j'espère que ça vous plaît. Et niveau lecture, je suis en train de lire le deuxième tome de Twilight. J'en peux plus, ça fait genre plus de 2 semaines que j'y suis. Je suis à page 509, chapitre 23. Et j'en ai marre, je veux juste terminer avec ce livre. Et voilà, comme ça je pourrais passer à autre chose. Je pense pas que j'enchaînerai les deux autres tomes tout de suite. Mais ouais, enfin, j'en parlerai plus précisément, je pense, dans mon update lecture de février. Mais voilà, je vais juste en finir avec ce livre. Comme vous l'avez vu, j'ai terminé Twilight ce matin et ça m'a fait la même impression pour le tome 1, mais quand je l'ai terminé, j'avais juste l'impression que c'était la fin d'un chapitre et pas la fin du livre. Du coup, ça, j'ai trouvé ça extrêmement perturbant. Mais bon, voilà quoi. Après, cet après-midi, il y a mon meilleur pote qui est venu à la maison parce qu'on doit travailler sur un exposé d'histoire. Du coup, on a commencé, etc. Et il nous reste quand même pas mal à faire, mais notre exposé est vendredi, donc ça va, on a plus ou moins le temps. Sachant que demain, il faut vraiment que je travaille plus, parce que du coup, j'ai fait que l'exposé d'histoire. Et j'ai beaucoup plus de trucs de prévu, enfin, à faire. Et bah, normalement, demain, on avait des plans de prévus. Mais bon, Corona oblige, je sais pas si ça va être possible, mais bon, ça fait un peu chier. Mais bon, le Corona nous fait chier, mais jusqu'au bout de notre vie, là, j'en peux plus. Bref, sinon, j'ai commencé en Bonheur Imparfait. C'est le deuxième livre que je lis de Colleen Hoover, et j'aime plutôt bien. Je trouve que c'est très original ce qui est abordé dedans, c'est-à-dire un peu
on suit un couple qui est qui ça se passe pas très bien et on comprend pas forcément pourquoi et peut-être un peu à cause de la routine ou ce genre de truc et je trouve qu'on n'en parle pas assez comment la routine peut affecter un couple ou des fois juste bah la passion elle disparaît au bout d'un moment et justement c'est de ça que ça traite et du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que bah ouais je trouve ça juste hyper original et je sais pas on verra si la passion va être réussir à sauver s'ils vont sauver leur couple ou... bref. What, are you scared of me? It's embarrassing. If it wasn't for me, you would have never wrote therapy. I've been here for you, but I come in never there for me. It's a little bit twisted, but I miss when you and I had scary dreams. I don't really want to talk about it. Well, it's too bad now, Nate. Shut up. Now, where were we? Oh, back in the day when you and I had it all mapped out in the basement, crying in your room like a baby. I wish mom was here, we all do, so we wouldn't have to hear about it. Every single record, you don't really want to change me? Yeah, I'm the one that made this happen. Do you really want to get rid of your main attraction? Let's pack our bags and go back to Gladwin now. Yeah, it's time for the third record, and you know I got the content. I don't want to make you nervous, but it ain't like it used to be. We got a lot of people watching. You told me that you don't want me in your life. That's pretty hard to digest. And I told you I leave when we die. And we ain't died yet. Therapy session was beautiful, Nate, but I'm wondering what's coming next. Yeah, get that stupid ad off of your head when I'm talking to you. You hear what I said? You don't like the prison I built you? Yeah, you wanna know what the... Petite parenthèse pour vous conseiller une chaîne BookTube qui a commencé récemment, qui est Amel Lecture. Et cette meuf est vraiment très 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 chou, hyper douce, genre ses vidéos sont vraiment hyper cool à regarder, elle s'exprime super bien, elle parle très bien des livres que... Enfin, elle arrive bien à mettre ses livres en avant, etc. Et bref, elle est adorable, du coup, allez la suivre, je vous mettrai genre dans le i, je sais pas comment on fait pour mettre dans le i, mais peut-être dans le i ou dans la barre d'infos, mais ouais, allez la suivre. Je pense que je vais conclure ce vlog ici puisque la semaine elle commence. Bah, j'ai vraiment pas de trucs intéressants à filmer. Mais bon, j'espère que c'était un minimum intéressant et un minimum constructif. Mais en tout cas, j'ai kiffé filmer et je me suis rendu compte que ça m'a aidé pour être plus productive pour l'école. Parce que je vous avouerai que là, genre, ma motivation était vraiment genre down. Et là, genre, j'ai réussi à pas mal travailler. Enfin, ça m'avait pas arrivé depuis hyper longtemps. On dirait que c'est une maladie quand je dis ça, mais ouais. Assez contente de ce que j'ai pu faire, même si j'aurais pu faire plus. On peut toujours faire plus, mais on peut toujours faire moins bien aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Et juste avant de conclure ce vlog, je voulais faire un mini-update sur un bonheur imparfait. Donc j'en suis à la page 186. Je suis au milieu d'un chapitre, donc j'en suis à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié. Et du coup, je trouve ça super original les termes abordés. Donc ça parle de... En fait, le personnage principal féminin, elle est stérile. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant comment ces personnes, elles peuvent vivre ça. Et à la fois, c'est horrible. Parce que vraiment, elles s'enferment dans l'idée qu'elles... pas avoir un enfant et tout ça, et du coup bah ça affecte énormément son couple et elle arrive pas à en parler, etc. Et ça parle également de tromperie.
Mais ouais, donc faites attention à vous. Genre, si vous savez que c'est des sujets qui vous concernent, ça peut être. Ça peut vous faire un peu de mal quand même en le lisant. Et bah en fait, la forme du livre, enfin, la manière dont c'est écrit, donc on a des chapitres alternés entre le maintenant et le avant. Donc le avant quand ils se sont rencontrés et le maintenant où ça va pas trop dans leur couple. Et moi je trouve ça hyper original, mais à la fois, genre au début, je sais pas, j'étais hyper perdue. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans l'écriture qui me perturbe énormément, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Et puis voilà, mais sinon c'est hyper addictif, mais c'est pas le livre de l'année. Enfin, peut-être voilà, mais j'appréhende un peu la suite parce que j'ai l'impression qu'il va se passer un truc horrible. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là, genre. Bref. Du coup, voilà pour cet update. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine!